Bonjour à tous, c'est Victor. On se retrouve aujourd'hui pour une séance spécifique bras, biceps, triceps avec un élastique. Une séance de 10 minutes. Dans cette séance, on va faire 4 exercices sous forme d'EMOM. Je vais vous montrer les exercices. Première minute, on fera 2 exercices biceps. On aura tant de répétitions, 10 pour le premier tour, 10 répétitions sur chaque exercice à loger dans la minute. Le reste de la minute, ce sera de la récupération. Deuxième minute, on fera 2 exercices pour les triceps. Pareil, 10 répétitions par exercice. Le reste de la minute, ce sera de la récupération. Et après, on enchaîne. Donc, 2 blocs de 2 exercices à faire en 2 minutes, fois 5, 5 tours. Ça nous fait notre séance de 10 minutes pour congestionner au niveau des bras. Je vous montre les exercices. Après, je lance le chrono. Vous aurez juste à suivre la vidéo. Si vous n'avez pas tout compris là sur les blocs, les minutes, la récup, vous inquiétez pas. En le faisant, ça va devenir plus clair. Donc, je vous montre les exercices, comme ça, on commence. Et après, il n'y a plus qu'à. Premier exercice, on viendra élastique sous les pieds pour tirage au menton. On vient tirer l'élastique au-dessus de nous, toujours les coudes au-dessus des mains. Donc, on fera 10 répétitions comme ça, plus 10 biceps curl. On garde l'élastique sous les pieds et on vient fléchir les bras devant nous. Les coudes, eux, reste au même endroit, c'est les avant-bras qui remontent. Donc la première minute, on aura 10 répétitions de chaque à faire. Le reste de la minute, c'est de la récup. Si on le fait en 30 secondes, on a 30 secondes de récup. Si on le fait en 40 secondes, on aura 20 secondes de récup. Ce qu'il va falloir viser à chaque fois, c'est avoir à peu près 20 secondes de récup. Si on a moins de 20 secondes, on pourra peut-être réduire un petit peu la récup, le nombre de répétitions pour pouvoir augmenter la récup, pardon. Si on a plus de 30 secondes de récup, là, on va pouvoir ajouter des répétitions pour avoir un petit peu moins de récup et enchaîner un peu plus. Deuxième minute, on passera l'élastique dans le dos, assez bas. On prendra devant nous comme ça et j'essaie de venir faire un développé en revenant coude le long du corps. Donc 10 répétitions sur celui-ci. Et ensuite, on passera l'élastique sur le cou. Il faut trouver le positionnement, le mettre bien à plat pour que ça reste assez agréable. Main devant nous, si l'élastique est un peu trop grand, c'est trop. Le but, ça va être de venir tendre les bras comme ça. S'il est un peu trop facile, on peut remonter les mains sur l'élastique, laisser du mou en dessous, c'est pas grave. On tend un peu plus l'élastique. Là, les coudes sont fixes et on pousse les mains vers le bas. Et pour bien finir le mouvement, on peut venir écarter sur les côtés pour aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Je lance le chrono, on attaque avec les biceps. C'est parti pour 10 minutes. Allez. Donc 10 répétitions sur chaque. Se respirer sur chaque exercice, sur chaque répétition. 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, les biceps. Moi, je pivote un petit peu les mains en prise marteau. Ça évite que l'élastique roule à chaque fois. 9, 10, 25 secondes de récup. Bon, j'ai discuté un petit peu aussi. On profite de la récup pour se placer directement sur l'exercice suivant. On repart dans 15 secondes. Donc le prochain développé, on garde coude le long du corps et on vient développer devant nous comme ça. Vous êtes prêts dans 2 secondes et c'est parti. Allez, 10. Pareil, là, si c'est trop facile, prenez l'élastique plus court. 8, 9, 10. Et les triceps, on passe l'élastique derrière le cou. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes, la récup, 25 secondes aussi à peu près. Là, premier tour c'est fait, il en reste 4. Moi je vais rester sur 10 répétitions de chaque pour le prochain tour. Et je pense qu'ensuite, je vais augmenter un petit peu. Voir combien de récup j'ai quand je pars tout de suite. Si je ne m'arrête pas au milieu de l'exercice, voir vraiment combien de temps ça me prend de faire les 20 répétitions. Et c'est parti. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Les biceps. Parce que l'idée, c'est de tenir les 5 tours. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, j'ai 35 secondes de récup. Prochain tour, je ferai 12 et 12. On va rajouter 2 répétitions. C'est ça, l'idée, c'est d'être entre 30 et 20 secondes de récup. Voir pour les derniers tours. S'il y a moins de 20 secondes sur le dernier tour, c'est pas un problème. Tant mieux, un petit challenge sur la fin. Dans 5 secondes, les triceps avec le développé. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit changement de position pour l'élastique. Et on est parti. Allez, 1, 2, 3. On peut le replacer s'il fait mal. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il reste 30 secondes de récup. Si vraiment l'élastique vous fait mal, là, niveau posture, vous rajoutez, placez une serviette dans votre cou pour amortir l'élastique, pour faire une épaisseur entre l'élastique et la peau. Le but, c'est pas de se faire mal pour se faire mal. Troisième tour, troisième fois sur les biceps avec le tirage menton en 5 secondes. Moi, je vais passer sur 12 répétitions du coup. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et les biceps, curl. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 32 secondes de récupération si vous avez fini en même temps que moi. Là, il vous reste un petit peu moins de 30 secondes pour finir la série. On repart dans 20 secondes sur les deux exercices pour les triceps. Profitez de la récup si vous en avez. Allez, moins de 10 secondes. Sinon, dépêchez-vous de finir la série. Et là, si vous n'avez pas fini la série, c'est parti. Tant pis, si à un moment vous n'arrivez pas à finir la série dans la minute, on repart sur les exercices suivants. On ne se décale pas. Les triceps derrière la tête, ça tient un moment. Il vous manque 3 répétitions. Tant pis, on ne prend pas de retard sur la minute suivante. On change d'exercice. 8, 9, 10, 11 et 12. Yes. Je mets plus de temps sur celui-là. Après, on se replace. 20 secondes de récup. On attaque le quatrième tour. Après, avant-dernier tour déjà. Je vais tenter le 14 de chaque sur les biceps. Je pense que niveau chrono, niveau timing, ça passe sans problème pour moi. Mais bon, avant-dernier tour, si vous avez de la récup, à chaque tour, augmentez les reps. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et les biceps curl. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça chauffe. 11, 12, on essaye de ne pas s'arrêter à chaque fois. 14, 30 secondes encore de récup. Mon dernier tour, du coup, je ferai 16 et 16. 16 répétitions par exercice. Sur les triceps, j'ai moins de récup. C'est pas grave, on est dans les derniers tours, ça va passer, ça va le faire. On aura le temps de récupérer nos bras après. Allez, dans 5 secondes, s'il vous reste des répétitions à faire, on change d'exo et c'est parti. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, même en bonus, tant mieux. Les triceps. Le premier là, pour les triceps, il me paraissait facile en début de séance. Là, ça y est, il chauffe pas mal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Yes, 20 secondes de récup. Ah, j'ai fait 16 déjà d'ailleurs, c'était 14 pour moi. Donc prochain tour, c'est le dernier. On rajoute au moins 2 répétitions par exercice. Et on se débrouille pour que ça passe dans la minute. Dernier tour. Donc moi 16 répétitions par exercice. J'ai fait 12, 14, 16. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, ça passe bien, je vais à 20. 18, 19 et 20. Les curls. Et 1, 2, c'est le dernier tour. Si on n'a pas de récup, c'est pas grave. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça brûle, on ne s'arrête pas, 16, 17, 18, 19 et 20. 15 secondes de récup, ça devient un peu plus chaud là, mais c'est le dernier, on s'en fiche, on s'accroche, on va au bout. Allez, je tente les 20 répétitions aussi sur les triceps. Allez, feu. Là, la récup, on s'en fiche, on a fini après. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire toutes les répétitions dans la minute. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, les bras là qui bloquent sur les dernières répétitions. Le dernier exercice. Je le replace un peu. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 20 secondes pour terminer. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moi, c'est passé. Il vous reste 5 secondes pour terminer. 3, 2, 1 et top. Ok, bravo, relâchez. On a terminé. Le chrono est coupé. Récupéré. Normalement, niveau cardio, ça va. Les bras, par contre, sont congestionnés. On a pris un petit peu de sang en plus dans les bras. Voilà, ça brûlait sur les dernières séries, en tout cas pour moi, en ayant rajouté quelques répétitions. Peut-être que les premières à 10 et 12 répétitions étaient un peu trop faciles pour moi. Si je le refais, je commencerai tout de suite à 15 pour que ce soit un peu plus sympa dès le début. En tout cas, là, les dernières séries, je bloquais quasiment sur les dernières répétitions. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu vous entraîner, muscler vos bras avec un élastique. Si vous voulez aller plus loin, si vous cherchez un programme structuré, progressif, j'ai sorti mon e-book musculation avec élastique. Je mets le lien dans la description. C'est 12 semaines de programme. Donc qui évolue au fil des 12 semaines en difficulté, avec toutes les clés pour gérer sa nutrition, se fixer des objectifs, suivre sa progression. Pensez à mettre un j'aime sous la vidéo, à vous abonner pour les prochaines séances, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel entraînement.